Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Si l'intelligence était la capacité à s'entraider pour affronter le temps et survivre des millions d'années, le prix serait décerné aux arbres. Alors que l'homme qui fait partie du règne animal a la capacité de se mouvoir, mais a une longévité de vie courte, l'arbre, lui, est majestueux dans l'espace, puisqu'il ne peut pas bouger, mais également dans le temps, puisque sa vie peut durer des siècles. À cette évidence, il nous faut comprendre pourquoi. Depuis quelque temps maintenant, une avalanche d'études scientifiques fournit de nouveaux éléments sur la compréhension de l'arbre et de la forêt. Au premier abord, pour la plupart d'entre nous, l'arbre est un monument végétal qui, par ses racines, se nourrit et se modifie au cours des saisons. Mais s'il était bien plus que cela? En Afrique, les antilopes koudous, qui se nourrissent du feuillage d'une certaine variété d'acacia, ont été observées. Elles s'alimentent d'arbre en arbre, mangeant de petites quantités et avançant toujours dans une même direction, celle opposée au vent. Pourquoi? L'acacia, ressentant la menace sur son feuillage qui est en train d'être ingurgité par le koudou, modifie la physiologie de son feuillage qui devient immangeable, voire toxique pour l'antilope qui passe à un autre arbre. De plus, le feuillage émet de l'éthylène qui, transporté par le vent, alerte ses congénères de l'attaque en cours qui modifie à leur tour la composition chimique de leurs feuilles, d'où l'intérêt pour l'antilope de naviguer face au vent. Cette fascinante capacité d'adaptation de l'acacia est une forme d'intelligence individuelle et collective. Mais cette intelligence ne s'arrête pas là. De nombreux exemples ont été mis à jour sur cette capacité des arbres à s'adapter à leur écosystème. Lorsque nous observons la couronne d'un arbre et le volume qu'elle représente, nous sommes bien loin d'imaginer que nous contemplons un iceberg dont la plus grande partie n'est pas visible. Le réseau racinaire des arbres peut atteindre plusieurs fois la couronne. Finalement, une forêt représente un énorme plat de spaghettis souterrains entrelacés les unes aux autres. Mais que se passe-t-il au juste dans ce chignon gigantesque? Les racines, entre elles, procèdent à des échanges par le biais du développement d'une multitude de bactéries et de champignons qui servent au transport de minéraux, d'eau et de carbone. L'entraide caractérise ces échanges. Par exemple, un arbre coupé depuis plusieurs années peut voir sa souche encore vivante au sol. Pourtant, il n'y a plus de branches, plus de feuillage, donc pour la photosynthèse. Pour continuer à vivre, le réseau racinaire de la souche absorbe l'eau de pluie qu'il restitue aux arbres environnants en échange de nutriments manquants. L'arbre sait que seul, il ne peut pas accéder à l'autonomie dont il rêve, puisqu'il a besoin d'une atmosphère humide, d'un sol riche, et que la mise en place de ses besoins passe par ses congénères. Ces découvertes nous invitent à nous inspirer du modèle coopératif de l'arbre, mais également à comprendre sa capacité à restaurer les sols et les enrichir. Si l'on replonge dans le patrimoine traditionnel et ancestral de l'homme envers la nature, nous constatons qu'il a su respecter et dynamiser les écosystèmes en place pour produire de manière qualitative et quantitative. Aujourd'hui, l'agroforesterie ressuscite ses connaissances. L'agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant les arbres, les cultures, les animaux, sur un même espace en utilisant cette cohabitation pour maximiser les interactions naturelles. Il existe 12 principes fondamentaux. Comprendre la diversité et la complémentarité dont dépendent les systèmes agricoles pour assurer leur pérennité en production et face aux perturbations extérieures.
Comprendre le fonctionnement de la forêt, sa capacité permanente à fabriquer de l'humus et donc de la fertilité, là où un sol nu contribue à la dégradation du sol. L'art de la transposition du système naturel, de l'observation à la mise en place sur le système agricole par mimétisme et type de climat. Maximiser la photosynthèse. La lignine, composante du bois, de retour au sol lors de la perte de branches ou mort d'un arbre, est le socle de la création de l'humus. Elle permet l'installation des bactéries et champignons nécessaires à sa dégradation et absorption par le sol, et donc l'absorption de carbone. L'arbre est également un tampon, comme un amortisseur climatique. En puisant et transpirant l'eau, il agit comme une climatisation 4 fois plus d'impact d'ailleurs qu'une climatisation électrique, et maintient la vie sous son feuillage et au sol. Une vision agronomique avant tout, c'est une réflexion plus large sur la couverture végétale des sols et le changement des pratiques agricoles. Un peu comme en permaculture, en agroforesterie, il n'y a pas de modèle. Tout dépend de l'écosystème en place. Faire chaque chose en son temps. Lorsqu'on débute en agroforesterie, il est nécessaire de dresser un ordre de priorité. Tout d'abord, bien gérer l'existant, les haies, les bosquets, les arbres, puis protéger ce qui commence à pousser naturellement et ensuite, éventuellement, planter. Bien évidemment, sur cette canopée installée, la permaculture s'invite pour finalement restaurer des écosystèmes nourriciers pour la nature et pour l'homme. Pour terminer cette chronique, je souhaiterais vous parler de Francis Allais, botaniste, biologiste et dendrologue, la dendrologie qui est la science des arbres. Ce passionné des arbres a parcouru le monde entier pour observer et comprendre cet organisme. Grâce à lui, vous en apprendrez plus sur le comportement intelligent de l'arbre, son architecture, sa génétique, sa réaction au cycle lunaire et bien d'autres choses comme la timidité des arbres. Francis Allais parle de la timidité de certains arbres, un phénomène tout à fait étonnant. Les branches ou les racines de certains arbres voisins ne s'entremêlent pas, mais décrivent ce qu'il appelle une fente de timidité. Certains arbres de la même espèce poussant côte à côte déclenchent un mécanisme qui permet d'éviter que leurs cimes ne se touchent, laissant entre elles une fente de timidité d'environ 1 mètre de large. La canopée prend alors l'allure d'un puzzle. Ardent défenseur des forêts primaires, il nous invite avec poésie, grâce à ses talents de dessinateur, à découvrir le mystère et la beauté des arbres à travers ses livres. Voici quelques titres d'ouvrages que je vous conseille, comme « Le plaidoyer pour l'arbre », « L'atlas de botanique poétique », ainsi que l'éloge de la plante pour une nouvelle biologie. Avec un réchauffement climatique qui ne fait qu'accélérer, il est temps d'arborer vos jardins pour vous protéger des canicules et surtout permettre à la vie de se propager à l'ombre de la canopée. Excellente semaine à tous, c'était Monsieur Green, à l'abri sous la canopée. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un... Un pur délire, j'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois, mais tu vois le Green absolu. Green, plus Green.